L'exposition En chemin de rencontre, donc du nom des bandes dessinées, est née à la suite d'une demande assez forte autour de la lecture de la première bande dessinée qui a été publiée en 2009 et qui parle de violences faites aux femmes en France et dans le monde. Et on s'est rendu compte que la bande dessinée qui s'adressait à un public un peu plus ado adulte n'était pas tout à fait adaptée aux plus jeunes. Et l'exposition, qui évidemment marque plus de distance, est plus visible par tous, et notamment les plus jeunes, par exemple des élèves de 6e. Dossier pédagogique qui a été créé justement à l'occasion de l'exposition En chemin de rencontre par le FIBD. Donc ça s'adresse aux jeunes scolaires qui vont passer visiter l'exposition, mais également à tous. C'est avec des quiz, des charades, des réponses sur le site de Des ronds dans l'eau où on a essayé de jouer avec eux et avec le rappel de toutes les couvertures et le nom des 70 auteurs qui ont participé à l'expérience.